Mesdames et messieurs, je vais vous inviter à prendre place. On va commencer dans 5 petites minutes. J'invite aussi les amis qui sont encore à l'extérieur, dans le hall, de bien vouloir rejoindre à présent l'hémicycle. Bien. Encore du monde dehors, tout le monde de questions. Oui, j'étais un peu. Regarde. Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Haut-Commissaire, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Messieurs de la Commission à l'Outre-mer, les anciens présidents de l'Assemblée et présidentes, les anciens présidents, les anciens représentants, Mesdames et Messieurs, vous tous ici présents, donc j'ai le plaisir de vous accueillir au sein de notre Assemblée, dans ce très bel hémicycle de Tarahoy, pour cette journée commémorative des 70 ans de l'Assemblée. Rapidement, avant d'écouter les chœurs de l'Assemblée, qui se sont spécialement constitués pour l'occasion et qui nous font la surprise de chants qui vont probablement vous étonner tout au long de cette matinée, je vous égrène rapidement les quelques rendez-vous que nous avons. Donc la chorale dans un instant, puis elle cédera la place au président de l'Assemblée de la Polynésie française, M. Marcel Touyani, qui s'adressera à vous. Puis après son allocution, nous ferons un saut dans l'histoire avec un petit film d'une douzaine de minutes qui nous retracera les grandes étapes de la vie de notre Assemblée et également des étapes qui ont marqué la vie du Fénoua ces 70 dernières années. Ensuite, à la suite de ce film, eh bien, nous aurons le plaisir d'accueillir ici 3 anciens employés de l'Assemblée de la Polynésie française qui ont consacré toute leur carrière à cette vénérable institution et qui seront donc décorés de la médaille du travail. Et puis, nous chanterons ensemble les hymnes locaux et nationaux. Et puis ensuite, nous nous séparerons pour rejoindre le hall de l'Assemblée, où sera inaugurée donc l'exposition que vous avez pu entrevoir. Cette exposition dans l'Assemblée sera guidée par Christian Glezal, qui en est le principal artisan. Puis, je vous inviterai à le suivre dans le jardin pour un parcours qui nous retrace l'histoire et l'esprit de Tarahoy jusqu'au bassin de la Reine, au terme duquel vous serez invité à partager un rafraîchissement sous le phare époté.
Et puis enfin, eh bien, vous l'avez peut-être vu à la télévision, sur les antennes de notre partenaire Polynésie Première, il y avait un jeu et nous tirerons ensemble les heureux gagnants du tirage au sort, du quiz consacré à l'histoire de l'Assemblée et à celle de notre institution. Sans plus tarder, je vous invite à présent, sous la direction de Hinarere Rere, à écouter les chœurs de l'Assemblée. Le personnel a souhaité s'associer pleinement à cet événement festif et nous a réservé cette surprise. Ils ont répété tous les jours, pendant la pause de midi, pendant presque 2 mois. Et donc, voici donc Maeva de Yves Roche. Merci à la chorale de notre assemblée que nous allons retrouver dans un instant. Oserais-je inviter nos vénérables représentants à rejoindre les places qui ont été prévues pour eux et pour elles. Je vous remercie. Bien, Monsieur le Président, je vous invite.
Jean-Marius. Ouais. Surprise, surprise. Bien. Monsieur le Président, Monsieur le Haut-Commissaire de la République, Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Vice-Président, Sénateur de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les parlementaires, salutations particulières à la délégation sénatoriale d'Outre-mer. Merci pour votre présence. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée de la Polynésie française, Monsieur le Président du Conseil économique, social et culturel, Messieurs les anciens présidents de la Polynésie française, Messieurs les anciens présidents de l'Assemblée de la Polynésie française, Madame la Présidente de l'Assemblée de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les maires et les élus municipaux, Mesdames et Messieurs les chefs de service de l'État, du pays et de l'Assemblée de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers invités, Yaorana et Maeva. C'est avec une réelle émotion que je vous accueille dans cette Assemblée, ce lieu symbolique chargé d'histoire. Certains d'entre vous se souviennent peut-être qu'à deux reprises, lors de discours solennels, j'ai eu l'occasion de saluer les présidents de notre pays, encore présents parmi nous, puis les présidents de notre Assemblée. Il est rare que nous rendions hommage à nos prédécesseurs. Pourtant, cette démarche me semblait devoir être une évidence, tant nous sommes inscrits dans une forme de continuité, pour ne pas dire de continuum. Je m'étais alors engagé à leur rendre un hommage tout particulier à l'occasion des 70 ans de l'Assemblée. Ce jour est arrivé. Et je les remercie chaleureusement de nous faire l'honneur de leur présence. Lorsque je regarde les visages ici présents, des anciens présidents de notre pays, des anciens présidents de notre Assemblée et des anciens élus qui ont siégé à Tarahöy et qui ont pu faire le déplacement pour être présents, c'est un demi-siècle de notre histoire qui se trouve réuni parmi nous ce matin. C'est une image mémorable. Vous tous ici présents, et ceux qui ne sont pas là avaient fait la Polynésie moderne, chacun à sa manière. Et si vous en êtes d'accord, je souhaite que nous leur rendions un hommage appuyé. Je vous invite pour cela à les applaudir chaleureusement. C'est vous dire l'émotion forte que je ressens à cet instant d'être aujourd'hui le successeur des anciens présidents de notre institution. Je dirais leur héritier. Et d'être aussi le plus jeune président de notre Assemblée. Croyez-moi, ils en savent tous quelque chose. C'est une lourde responsabilité. L'actualité du moment en est la démonstration. Je saisis également cette occasion pour remercier tout le personnel de l'Assemblée qui s'est mobilisé avec plaisir pour rendre cet événement possible. Cette joie se retrouve en particulier dans l'aménagement de cet hémicycle ou encore dans la chorale qui s'est montée spontanément pour l'occasion. Depuis un mois, ils répètent afin d'être fin prêts pour ce jour attendu. Vraiment du fond du cœur, je leur dis merci et nous aurons plaisir à les retrouver dans quelques minutes. La création de notre Assemblée a été décidée par décret du 31 août 1945. C'est Joseph Quesnot qui sera élu président de l'Assemblée représentative le 11 mars 1946, il y a exactement 70 ans aujourd'hui. Depuis, 25 présidents se sont succédés
à la tête de notre institution, dont une présidente. 70 ans, ça commence à compter. C'est bien plus que l'âge de la sagesse. Notre Assemblée atteint depuis longtemps l'âge de la maturité. Tarahoeuil est un lieu chargé d'histoire, hautement symbolique, car ici, de tout temps, s'est exprimé le pouvoir politique de notre pays, lieu privilégié du dialogue franco-polynésien. Notre Assemblée, au fil du temps, a été le relais de ce dialogue et à travers lui, de cette responsabilité politique qui s'est patiemment construite et que nos prédécesseurs ont revendiquée pour mieux faire entendre la voix des Polynésiens. Il n'est pas possible de retracer 70 ans de la vie de notre institution au travers d'un discours. Je laisse cette tâche aux historiens qui interviendront cet après-midi et à l'exposition que vous verrez dans le hall de l'Assemblée qui retrace les grandes étapes et les grandes figures qui marquèrent ces dernières décennies. Tour à tour, Assemblée représentative à sa création en 1946, puis Assemblée territoriale en 1957, elle est devenue l'Assemblée de la Polynésie française en 1996. Si son nom n'a pas changé en 20 ans, elle a vu, à la faveur du statut d'autonomie de 2004, son pouvoir normatif se renforcer et tendre vers un pouvoir législatif sans que ce caractère lui soit officiellement le reconnu. Malgré cela, je retiens surtout que notre pays a su se construire une situation inédite qui fait de la Polynésie française une des rares collectivités de la République à disposer de la capacité à écrire son propre droit. L'Assemblée demeure la seule institution de notre pays à être élue au suffrage universel. C'est d'elle, en conséquence, que le pouvoir exécutif tire sa force et sa légitimité. C'est l'Assemblée qui, à l'occasion de chaque renouvellement, tous les 5 ans, le temps d'un mandat, élit son président au perchoir, tout comme élit le président de la Polynésie française, lequel nomme ensuite son gouvernement. Ce retour à nos fondamentaux institutionnels n'est pas inutile. Il nous rappelle, si nous l'avions oublié, que l'Assemblée de la Polynésie française demeure une institution clé, car c'est ici et nulle part ailleurs que réside et s'exprime la souveraineté populaire. De fait, il y a dans cette prérogative quelque chose d'essentiel. Le vote des représentants est un engagement. C'est une responsabilité qui revêt, pour ainsi dire, un caractère sacré. Pour autant que puisse être sacré un engagement républicain. Il revient donc à notre Assemblée de voter toutes les lois de pays et les délibérations dans les secteurs relevant des compétences de la Polynésie française. Ainsi bien celles qui sont présentées par le gouvernement que celles qui peuvent être portées par les représentants eux-mêmes, c'est le droit d'initiative. Dans une société toujours plus complexe et toujours plus normative, il appartient aux représentants de veiller à la clarté et la sécurité juridique des textes qui sont soumis à leur vote et de veiller à ce qu'ils soient conformes à l'intérêt général. Cette responsabilité amène chacun des représentants à se positionner en son âme et conscience. Dans l'absolu, il ne devrait pas y avoir de bonnes ou de mauvaises lois. Il devrait y avoir que des lois utiles et nécessaires. Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires, disait Montesquieu. Il disait également, une chose n'est pas juste parce qu'elle est loi, mais elle doit être loi parce qu'elle est juste. C'est donc dans ce caractère tout à la fois juste, nécessaire et simple que réside la clé d'une bonne loi. Il nous appartient donc de préserver ce qui fait la raison d'être de notre Assemblée et des prérogatives difficilement acquises au fil de notre histoire récente. Renier ou amputer ce droit d'initiative reviendrait à vider de son sens notre institution et à tourner le dos au combat de nos pères pour que notre jeune démocratie polynésienne puisse exister et évoluer. 70 ans après la création de la première Assemblée représentative, cette préoccupation n'est pas une vue de l'esprit, elle demeure pleinement d'actualité. De l'exercice de la démocratie découle une autre interrogation qui concerne cette fois la citoyenneté. Il faut bien reconnaître que nous avons du mal à tracer les contours d'une citoyenneté polynésienne. Elle est pourtant indispensable si l'on veut susciter le patriotisme polynésien, compris comme l'attachement à notre pays. De la Grèce antique à aujourd'hui, la citoyenneté est présentée comme le corollaire de la démocratie, une citoyenneté adulte
suppose une démocratie adulte, laquelle ne peut pas exister sans des institutions stables et respectées. Mais la citoyenneté n'est pas qu'une affaire d'institutions. Une citoyenneté adulte suppose aussi de savoir qui je suis, d'où je viens, où je vais, dans quel cadre je vis et j'évolue. Elle est donc liée à la connaissance que j'ai de ma propre histoire et du ressenti que j'ai des institutions qui garantissent mes libertés et qui préservent notre capacité à vivre tous ensemble. Cette interrogation m'amène tout naturellement à une autre question. Quelle est mon histoire? Où commence-t-elle? Quels sont mes repères? Apprendre l'histoire, oui, mais quelle histoire? L'apprentissage de l'histoire est au cœur de la construction citoyenne et la volonté politique en a besoin pour se nourrir et avancer. Ce dont je suis convaincu, c'est que nos institutions n'ont de valeur que si nous leur donnons un contenu, sinon elles restent une coquille vide. La démocratie n'existe que si le débat est possible et que l'expression des uns n'est pas confisquée par les autres. La citoyenneté n'existe que si nos institutions sont vivantes et respectées et que notre histoire soit enseignée. Nous devons transmettre nos valeurs communes aux jeunes générations. C'est la seule façon de cimenter notre société et de préserver notre capacité à vivre ensemble. Ma définition de la démocratie consiste à créer les conditions qui permettent de vivre ensemble. En conséquence, nos institutions ne sont que les outils qui permettent de mettre en œuvre ces conditions. L'écrivain allemand Wolfgang Goethe disait « Écrire l'histoire est une façon comme une autre de se libérer du passé. » Probablement avait-il raison. En tout cas, notre histoire a besoin d'être racontée. Notre histoire a besoin d'être regardée. Elle a besoin d'être écrite et enseignée. Nous devons, j'en suis convaincu, nous réapproprier notre histoire. Cet anniversaire est l'occasion de faire une pause dans la course effrénée du temps qui passe. Les 70 ans qui viennent de s'écouler nous offrent un regard sur notre histoire, sur une partie d'elle en tout cas, et sur les personnes qui l'écrivent et qui la font. Gardons-nous de la tentation de la réécrire, de la ranger. Veillons simplement à demeurer nous-mêmes. Nous avons besoin de partager un idéal commun. C'est ce qui nous fait vivre ensemble. D'ailleurs, n'est-ce pas là le sens que nous devons donner à la politique? L'idéal est pour nous ce qu'est une étoile et pour le marin. Il ne peut être atteint, mais il demeure un guide, disait Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix. Alors notre idéal, quel est-il? En avons-nous un qui guide notre action? À l'heure de la mondialisation, à l'heure des remises en question, qui peuvent conduire certains d'entre nous à céder à la tentation du repli sur soi, cet idéal n'est-il pas tout simplement de parvenir à préserver ce que nous sommes, de préserver notre capacité à vivre ensemble, en paix et en sécurité? Après tout, cette capacité à vivre ensemble et à accueillir l'autre qui nous a permis de traverser les époques tout en restant nous-mêmes, tout à la fois polynésiens et français. C'est ce qui nous permet de partager ce que nous sommes avec ceux qui viennent à notre rencontre, car nous avons su rester fiers d'être nous-mêmes tout en étant ouverts au monde. Au fond, n'est-ce pas là notre plus bel héritage? Veillons ensemble à ce que les aléas de notre histoire en devenir, celles qui restent à écrire, ne viennent pas menacer ce bel héritage. Cette cohésion toujours fragile qui a fait des Polynésiens un peuple à part, un peuple pacifique, un peuple solidaire, généreux et accueillant, tolérant et respectueux, un peuple attaché à sa culture, fier de son passé, désireux de son avenir. En vous regardant tous réunis en ce lieu ce matin, voilà ce que je ressens. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.
Et pour continuer ce voyage dans le temps auquel le président de l'Assemblée nous invite, eh bien, je vous propose de regarder un petit film d'une douzaine de minutes dont nous avons confié la réalisation à Jacques Navarro, réalisateur bien connu, plusieurs fois primé au FIFO, qui a été guidé dans ses recherches par Christian Glézal, que nous connaissons bien également. Et je remercie également Polynésie Première d'avoir rendu ses archives historiques, son patrimoine audiovisuel accessible pour la réalisation de ce petit film. Européens, Tahiti est divisé en six grandes coalitions tribales rivales, dirigées par des Ahari. La naissance de la dynastie des Pomarés coïncide avec un grand mouvement de conversion des Tahitiens au christianisme. Les missionnaires anglais aident Pomaré II à unifier son royaume et à le structurer dès 1819 et installent une monarchie de conception occidentale. En 1824, une assemblée législative voit le jour, composée de chefs, de grands juges, et de quelques représentants élus, elle reste notamment, avec Pomaré IV, sous l'influence missionnaire jusqu'au protectorat. La guerre franco-tahitienne vient clore en 1846 les dernières rivalités entre chefs et renforce le protectorat. L'Assemblée législative s'éteint d'elle-même le 28 mars 1866. La signature par Pomaré V de la cession de ses États à la France le 29 juin 1880 fait entrer Tahiti dans une époque coloniale effective. Le pouvoir est concentré entre les mains d'un commandant des établissements français de l'Océanie. La population ne participe pas aux affaires que par l'entremise d'assemblées au pouvoir essentiellement consultatif, qui change de nom au gré du pouvoir central, pour finir en délégation économique et financière en 1945. La Seconde Guerre mondiale achevée, le monde entier entre dans une phase de décolonisation. La constitution de la 4e République transforme les possessions ultramarines de la France en territoire d'outre-mer, représenté au Parlement par un député, un sénateur et un conseiller à l'Union française. En janvier 1946 a lieu l'élection de l'Assemblée représentative et sa première séance se tient le 11 mars 1946, il y a tout juste 70 ans. Ceux qui auraient dû être les principaux acteurs de ce vote, les volontaires du bataillon du Pacifique, ne sont de retour qu'après cette élection. De cette frustration naîtra un mouvement politique, l'Union des volontaires, qui trouvera sa première expression le 22 juin 1947 dans l'affaire dite du Ville d'Amiens. Ce jour-là, les volontaires empêchent le débarquement de fonctionnaires métropolitains car ils estiment que les postes qu'ils vont occuper leur reviennent de droit. Cette affaire est l'occasion d'une rencontre avec le comité Pouvanha, créé en février 1947, et d'une confrontation avec le gouverneur qui reste le chef de l'exécutif. Pouvanha est le personnage central de cette période. Il parle aux Polynésiens de fierté, de dignité retrouvée. Il est élu député en 1949 et réélu en 1951 avec 70% des voix. Alors que la métropole sombre dans l'instabilité de la 4e République, l'Assemblée territoriale, qui a vu le nombre de ses membres passer à 25, ne fait pas non plus preuve d'une grande maturité démocratique. Les élections de 1953 ont pourtant donné une large majorité au RDPT, mais le gouverneur reste le vrai chef du territoire face à l'impréparation aux affaires de certains élus ou à l'autoritarisme d'autres. Ainsi, Jean-Baptiste Serrant-Jérusalemi, élu président, fait perdre sa majorité au RDPT en octobre 1953 à cause d'une demande incongrue de départementalisation des EFO par un parti qui prône l'autonomie, si ce n'est plus. Et Noël Hillary devient président de l'Assemblée. Mais grâce à une alliance avec des élus RPF, le RDPT retrouve une majorité. Le RPF Walter Grand est élu à la présidence de l'Assemblée et c'est donc un gaulliste qui accueille le général de Gaulle lors de sa visite triomphale en août 1956. Pouvanha, toujours très populaire, est réélu député en 1953 avec 57% des voix.
En 1956, Gaston Defferre, du gouvernement Guy Mollet, fait adopter une loi cadre qui donne aux TOM l'autonomie, afin de ne pas reproduire l'enlisement algérien. En mai 1957, le gouvernement Guy Mollet est renversé et ouvre la voie au retour du général de Gaulle. Le 27 juillet 1957, les établissements de l'Océanie deviennent Polynésie française et entrent, jusqu'en 1959, dans sa première autonomie. Aux élections territoriales du 3 novembre 1957, le RDPT remporte la majorité. Jean-Baptiste Serrand-Jérusalemi devient le président de l'Assemblée. Mais la vraie nouveauté est l'apparition d'un conseil de gouvernement dont les 8 membres ont le titre de ministre et dont le vice-président est Pouvanna. Irresponsable devant l'Assemblée, son pouvoir est également limité par le gouverneur qui exerce une tutelle a priori et préside le conseil. Mais la rivalité entre les deux leaders du RDPT va conduire à un réel recul statutaire. Serrand fait voter par l'Assemblée un impôt sur le revenu qui provoque une manifestation et amène Pouvanna à déjuger son second et à renoncer au projet. Les deux hommes se retrouvent face à face quand il s'agit de répondre oui, soutenu par Serrand, ou non, revendiqué par Pouvanna, au référendum voulu par le général de Gaulle. Le 29 septembre, le oui l'emporte avec 65% des suffrages. Le gouverneur suspend le conseil de gouvernement. Pouvanna est arrêté le 12 octobre au prétexte d'avoir voulu faire brûler la ville. Jugé l'année suivante, il est condamné à 8 ans de réclusion et 15 ans d'interdiction de séjour. De 1959 à 1977, en moins de 20 ans, la Polynésie française subit un bouleversement plus profond encore que celui ressenti lors de l'arrivée des premiers Européens. Si le personnage tutélaire de cette période est Pouvanna, en 1959 se tient son procès et sa condamnation, en 1968 on assiste à son retour triomphal et il meurt en 1977. La personnalité politique qui marque ces décennies CEP est Francis Sanfort, dont le combat pour l'autonomie se double d'un fervent engagement anti-nucléaire. L'aspiration à l'autonomie a sensiblement reculé depuis l'abandon de la loi cadre et l'Assemblée peine à relancer sa commission du statut, alors que la manne financière que va répandre le CEP anesthésiera la société polynésienne. On a ouvert la piste de Faaa en 1961 en faisant croire qu'elle n'était destinée qu'au tourisme, alors que se préparait déjà l'arrivée du CEP. En janvier 1963, une délégation de l'Assemblée envoyée à Paris discuter des problèmes du territoire se voit annoncer par le général de Gaulle la décision d'implanter un centre d'expérimentation nucléaire en Polynésie. En 1964, la commission permanente de l'Assemblée territoriale a adopté une délibération portant cession gracieuse par le territoire des atolls de Mururoa et Fangataufa à l'État français. Dès juillet 1963, le débarquement du premier contingent de légionnaires a commencé à bouleverser l'équilibre social du territoire. La mutation économique transforme une économie d'exportation en une économie de service. Makatea, qui était depuis 1917 le moteur économique de la Polynésie, cesse son activité en 1966, l'année même où l'on procède au premier tir nucléaire, Aldébaran. De 1966 à 1977, plus de 50 tirs, tant aériens que souterrains, seront effectués. Le bruit des tirs est masqué par celui des grands travaux d'équipement qui fournissent emploi et prospérité. Prospérité dont profite l'Assemblée qui se voit dotée de nouveaux locaux en 1969. Le milieu des années 70 voit la naissance d'une forte opposition au CEP, le bataillon de la paix, d'un regain de revendications autonomistes et de coups bas politiques illustré par l'occupation de l'Assemblée en 1976-1977. Entre-temps, la naturalisation en 1973 de près d'un millier de Chinois a rebattu les cartes ethniques et créé une nouvelle donne qui n'est pas sans conséquences politiques. À la suite des élections territoriales de mai 1977, qui ont redonné la majorité au Front Uni et placé Franz Vanizet à la présidence de l'Assemblée, celle-ci donne, le 7 juin, un avis favorable sur le nouveau projet de statut. Charles Schmitt est toujours le représentant de l'État. Il n'est plus gouverneur, mais haut-commissaire. C'est une période contrastée. De janvier à avril 1983, succession de cyclones. Grève dans l'hôtellerie, mutinerie de la prison de Nuutania, mais aussi début de la perle noire de culture, apparition des pharées MTR consécutivement aux cyclones, ouverture de la RDO,
première émission de télévision en couleur, création de l'OTAC. En novembre 1980, le tahitien devient seconde langue officielle et en 1995, le régime de solidarité territoriale RST est mis en place. Face aux requêtes habituelles d'une amélioration du statut, Giscard d'Estaing, en visite en juillet 1979, préfère rappeler les avantages du présent statut. En 1980, la surprise vient du député Gaston Floss, qui prend l'initiative de présenter à l'Assemblée nationale un projet d'autonomie interne. En 1982, la majorité bascule, Émile Vernodon est élu à la présidence de l'Assemblée et Gaston Floss devient vice-président du Conseil de gouvernement. Il est à pied d'œuvre pour mener à bien son statut d'autonomie en 1984. Le statut de 1984 a apporté des avancées notables. La convocation et la clôture de l'Assemblée territoriale ne dépendent plus du haut-commissaire, mais de son président. Il a également instauré un gouvernement de la Polynésie française plutôt qu'un conseil de gouvernement. Les gouvernements Tawera de Floss, Tewira, puis Floss à nouveau, sont confrontés à l'après-CEP, car le président Mitterrand a décidé en avril 1992 de suspendre les essais nucléaires. Jacques Chirac succède à François Mitterrand en 1995 et s'engage à maintenir le niveau de ressources pendant 10 ans à hauteur de 18 milliards. En 1986, le climat social se tend. Grève affectant le port et l'aéroport jusqu'au 28 octobre, jour où les manifestations tournent à l'émeute et où les émeutiers brûlent une partie du centre-ville de Papeete. Sur le plan régional, le débat nucléaire s'est exacerbé après l'attentat en 1985 à Auckland contre le Rainbow Warrior. Il se prolonge à Tahiti en 1995 lors de la reprise temporaire des essais qui entraîne de violentes manifestations à Fa'aa et Papeete. À compter de 1996, les institutions, telles le gouvernement et l'Assemblée, ne sont plus territoriales, mais de la Polynésie française. Sur le plan symbolique, la Polynésie est désormais dotée d'un drapeau, d'un sceau, d'un hymne et d'un ordre de Tahiti Nui. Aux élections territoriales de 1996, pour la première fois à l'Assemblée, un parti, le Tawera Huiratira, obtient seul la majorité absolue, avec 22 conseillers sur 41. En 2001, il obtient même 28 sièges sur 49. Mais la grande affaire reste la reconversion économique après CEP. Celle-ci pourra s'appuyer sur la stabilité d'une assemblée dont le président, Justin Harapari, sera reconduit pendant 5 années consécutives, de 1996 à 2000. La loi sur la parité, appliquée pour la première fois en Polynésie, fait entrer 21 femmes dans l'hémicycle, dont Lucette Taero, qui sera la première femme élue présidente de l'Assemblée en 2001, jusqu'aux élections territoriales anticipées, consécutives à l'application du nouveau statut d'autonomie interne du 24 février 2004. Le statut de 2004 présente pour l'Assemblée d'incontestables avancées. Ses pouvoirs ont été sensiblement accrus et les conseillers, devenus représentants, sont passés de 49 à 57. Mais le mode de scrutin avec prime majoritaire, censé favoriser la stabilité, produit l'effet inverse aux élections de 2004 et 2005. La majorité sortante perd les élections. Aucun parti politique n'obtient la majorité absolue. L'Union pour la démocratie emporte 26 sièges, auxquels se joignent 3 voix d'autonomistes pour former une majorité à l'Assemblée et élire Oscar Temaru, nouveau président de la Polynésie française. Mais sa faible majorité de 29 voix préfigure l'instabilité qui va prospérer jusqu'en 2013. En 7 ans, par un jeu de nomadisme politique, l'Assemblée élira 10 présidents. En 2013, une nouvelle majorité sort des urnes. Le parti de Gaston Floss remporte 38 sièges sur 57. Oscar Temaru perd, mais reste fidèle à son idéal. Fort de la résolution qu'il fait adopter en 2011 par sa majorité à l'Assemblée, il réussit à faire réinscrire la Polynésie sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser, avant la mise en place en 2013 de la nouvelle Assemblée, qui le désavoue par 46 voix contre 11. En septembre 2014, Gaston Floss, finalement inéligible pour 3 ans, laisse la place au président de l'Assemblée, Édouard Fritsch,
qui laisse la sienne à Marcel Touihani. Cette période s'achève par la visite en février 2016 du président François Hollande. Il est à noter que ni lui, ni Jacques Chirac avant lui, n'ont honoré de leur présence la seule institution de Polynésie élue au suffrage universel direct. Merci à Jacques Navarro, Christian Glézal, qui nous ont fait faire ce saut dans l'histoire en l'espace d'une quinzaine de minutes. C'est un concentré du temps. Pendant que les chœurs de l'Assemblée prennent place, que l'on retrouve dans un instant, l'Assemblée de la Polynésie française est naturellement une institution majeure. Mais elle est avant tout faite d'hommes et de femmes qui travaillent au quotidien et qui assurent et veillent à son bon fonctionnement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de mettre à l'honneur trois d'entre eux qui ont passé toute leur vie professionnelle au sein de cette vénérable institution. Ils se verront remettre par le président de l'Assemblée de la Polynésie française et en présence des plus hautes autorités de l'État et du pays, la médaille du travail, la médaille nationale du travail, ainsi qu'une médaille souvenir de l'Assemblée de la Polynésie française qui a été frappée à la Monnaie de Paris, tout exprès pour cet événement. Autant dire que pour ces trois personnes, c'est évidemment un moment d'émotion intense. Je voudrais donc inviter Madame Greta Doum, épouse Flore, Monsieur François Rivetta, dit Taputu, et Madame Maretta Tehamoana, épouse Oopa, à venir me rejoindre. Voilà, pour nous tous, ce sont des visages connus. C'est un moment d'émotion pour tous ceux qui sont ici présents aujourd'hui et qui doit évoquer bien des souvenirs, que ce soit aux anciens présidents de l'Assemblée, aux anciens élus de l'Assemblée qui ont vécu et partagé des moments forts dans cette enceinte et naturellement aux élus actuels. Voilà. Alors, je voudrais dire un mot d'abord sur Madame Greta Doum, épouse Flore, avant d'inviter Monsieur le Président de la Polynésie française à venir lui remettre la médaille. Greta Hayari Doum, épouse Flore, est née en 1953 à Afahiti, c'est la jolie dame qui a la jolie couronne sur la tête. Greta a exercé à l'Assemblée du 1er mai 1989 au 17 décembre 2013, soit durant 24 années et 7 mois. Elle a été recrutée sous le statut des enfants et elle a finalement intégré le statut de la fonction publique de l'Assemblée de la Polynésie française en 2005. Elle a débuté comme employée de bureau, puis magasinière. Greta est ensuite devenue secrétaire à la commission des affaires financières, de l'économie et du plan, à l'époque où Jean Le Hartel était président de cette commission. Puis elle rejoindra le magasin à nouveau, chargé de gérer les stocks de fournitures, de bureaux, des produits divers et des consommables. Et elle remplissait cette fonction avec beaucoup d'enthousiasme. Greta a laissé le souvenir de quelqu'un de disponible et d'accueillant. Elle avait une mémoire qui impressionnait tout le monde et savait à tout instant où se trouvait chaque chose. Pour récompenser sa vie professionnelle, la médaille d'honneur du travail, échelon argent et vermeil, va lui être remise par le président de l'Assemblée, Marcel Touihani, ainsi qu'une médaille souvenir de l'Assemblée, frappée tout exprès, Monsieur le Président.
Monsieur François Rivetta, dit Taputu. Qui ne connaît pas Taputu? François Rivetta, dit Taputu, est né le 13 mai 1954 à Rurutu, aux Australes. Taputu a exercé à l'Assemblée du 17 avril 1978 au 30 novembre 2014, soit durant 36 années et 7 mois. Il est recruté en tant qu'ouvrier d'entretien et gardien sous le statut des ENFA à l'époque du président John Tehariki. Taputu a notamment exercé la fonction de concierge et il s'occupait en même temps de l'entretien des jardins de l'Assemblée. En 2005, il devient responsable des jardiniers de l'Assemblée tout en gérant les accès aux locaux de l'institution et cela jusqu'à sa retraite. Il était de fait disponible quasiment 24 heures sur 24 et sa nature joviale mettait de bonne humeur tous ceux qu'il croisait ici à Tarahoy. Son grand rire était sa signature. Il aura indéniablement marqué la vie de l'institution et l'on peut dire que Taputu était aimé de tous. En 1997, François Rivetta reçoit la médaille d'honneur du travail échelon argent en récompense de ses 19 années de service. Monsieur François Rivetta, dit Taputu, reçoit aujourd'hui des mains du président de l'Assemblée, Marcel Touyani, la médaille d'honneur du travail échelon vermeil, or et grand or, pour le remercier d'avoir consacré toute sa vie professionnelle à l'Assemblée pendant plus de 36 ans. Vous avez vu que Taputu, bien qu'à la retraite, n'a pas manqué de se joindre au cœur de l'Assemblée, comme quoi il n'a jamais quitté l'Assemblée. Madame Maretta Tehamoana épouse Ho'opa. Madame Maretta Tehamoana épouse Ho'opa est née le 12 mars 1959 à Papeete. Maretta a exercé à l'Assemblée du 17 avril 1978 au 31 décembre 2014, soit, comme Taputu, durant 36 années et 8 mois. Elle a été recrutée à l'époque du président John Tehariki comme employée du bureau, puis intégrée à la fonction publique de l'Assemblée en avril 2006. Maretta a d'abord assumé la fonction d'employée du bureau avant d'être chargée du standard téléphonique en 1982, fonction qu'elle occupera durant 24 ans en devenant au téléphone la voix de Tarahoy. En 2006, elle est affectée au service juridique en tant que secrétaire, chargée de la mise à jour de la documentation juridique, et cela jusqu'à sa retraite en décembre 2014. À ce titre, Maretta a participé durant de nombreuses années à la bonne tenue de la documentation et de la bibliothèque de l'Assemblée. En 1997, elle a reçu la médaille d'honneur du travail échelon argent pour ses 19 premières années de service. Et pour récompenser une carrière faite de dévouement et de serviabilité, Madame Maretta Tehamoana se voit remettre la médaille d'honneur du travail, échelon vermeil, or et grand or, des mains du président de l'Assemblée, Marcel Touyani, ainsi que la médaille souvenir de l'Assemblée. Chers amis, je tenais particulièrement à remercier M. le commissaire de m'avoir laissé cette occasion pour décorer nos Polynésiens, nos agents qui ont œuvré pour le bien de notre institution. Et sachez en tous les cas qu'au travers de ce geste, je souhaite associer tous mes prédécesseurs
qui les ont côtoyés, j'en suis même persuadé, et qui les ont connus avant moi. En tous les cas, je n'ai pas eu la chance de tous vous connaître, à part Taputo, lorsque je suis arrivé, et il est vrai que sa marque, je dirais, de reconnaissance quotidienne et le sourire qu'il partage avec toutes les personnes qu'il croise au quotidien. En tous les cas, au nom de tous, je vous remercie pour toute votre carrière et tout ce que vous avez pu apporter à notre belle institution Maruru. Merci, Monsieur le Président. Bien, si vous le voulez bien, je vous invite à présent, avant d'entamer la dernière étape, à vous lever tous ensemble pour les hymnes polynésiens et nationaux que vont nous interpréter donc les chœurs de l'Assemblée sous la direction de Hinarere Rere. Merci à la chorale, ils ne nous quittent pas, car nous allons les retrouver dans un instant. J'ai juste quelques mots encore à vous dire et je vous invite peut-être pour cela à vous asseoir, tout simplement. Donc, avant d'écouter un dernier chant offert par la chorale et de nous rendre dans le hall de l'Assemblée pour l'inauguration de l'exposition, donc, nous y retrouverons Christian Glezal. Je voulais vous dire qu'un livre d'or a été installé devant la salle John Teariki. N'hésitez pas à y mettre vos impressions et vos sentiments sur cette journée commémorative si vous voulez rentrer dans l'histoire et la postérité.
du hall de l'Assemblée. Vous serez ensuite invité à suivre le parcours dans le jardin jusqu'au bassin de la Reine, où une reconstitution des étapes de la vie de Tara Hoy a été mise en place. Et à l'issue de ce parcours dans les jardins, eh bien, vous serez invité à partager un verre de l'amitié et un rafraîchissement sous le phare époté de l'Assemblée. Notez qu'à 11h, donc, nous organiserons le tirage au sort des gagnants du jeu Quiz, qui a été diffusé tous les soirs sur Polynésie Première, avec de beaux lots à gagner, grâce notamment aux partenaires Air Tahiti, Air Tahiti Nui et OPT Vini. Cet après-midi, la journée ne s'achève pas ce matin, cet après-midi, ceux qui ont du temps, qui le souhaitent, vous êtes invités à suivre trois conférences très intéressantes qui se tiendront ici même, donc dans le hall de l'Assemblée. La première sera consacrée à l'histoire de ce lieu, de Tara Hoy. Elle sera dite par Éric Pommier-Pomaré. La seconde sera consacrée au long combat qui a conduit à l'autonomie de 1946 à 1984, et elle sera dite par l'historien Jean-Marc Regnault. Et enfin, la troisième conférence sera dite par Semir Alouardi, qui portera son regard sur l'autonomie moderne, donc de 1984 à aujourd'hui. Voilà donc les différentes étapes. Un dernier remerciement à nos partenaires, Air Tahiti, Air Tahiti Nui, OPT Vini, Polynésie Première, à ceux qui ont également soutenu cette action. Je veux citer TNTV, qui a également relayé les cérémonies ce matin, ainsi que les autres médias. Au nom du président Marcel Touyani et au nom de tout le personnel de notre Assemblée, eh bien, un très grand merci à tous, un très grand merci pour votre présence. Nous ne saurions nous séparer avant de retrouver notre chorale sans une photo souvenir. Il me semble important de la faire peut-être maintenant, parce que je pense qu'on va se disperser après le chant final et ce sera plus compliqué. Je voudrais donc inviter le président de l'Assemblée, les anciens présidents, les élus et les anciens élus pour une photo souvenir ici au pied du perchoir, si vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît. Et venez. Les journalistes qui ont également souhaité cette photo sont naturellement invités à venir ici. Oui, faites au-devant, ça va ? Okay. Donc la photo des anciens présidents, et puis ensuite nous inviterons les anciens élus, puis les élus, à se joindre à la photo. Venez, venez. Oui. Venez, venez. Voilà. Juste faire une... Je vais inviter également les anciens élus, avec vous, oui, oui, bien sûr, tout le monde ensemble. Monsieur le Président, si vous voulez bien, merci. Voilà. Et voilà, venez les anciens élus de l'Assemblée. Il y en a. D'accord. Voilà. Ouais. Henriette.
d'autres hémicycles. Là, ça va être un peu compliqué. Parce qu'il y a voilà, et après cette photo, eh bien, nous allons l'agrandir encore et j'invite les élus actuels de l'actuelle mandature à rejoindre la photo pour que tout le monde soit présent. Peut-être, hein? Ouais. Oui, allez en haut. Non. Allez en haut alors. Oui. Voilà, n'hésitez pas à monter peut-être aussi sur le perchoir parce que ça fait beaucoup de monde. Oui. D'accord. C'est vrai, Irène, je suis d'accord. Voilà. Et notez que si vous voulez partager ce bel événement avec vos amis dans le monde, eh bien l'OPT a produit aujourd'hui une carte souvenir spéciale, toute destination, préaffranchie, que vous trouverez donc en vente pour la modique somme de 200 francs dans le hall de l'Assemblée et naturellement au centre philatélique de l'OPT. Et c'est ainsi donc que nous allons nous séparer avec la chorale qui va nous interpréter le très joli Maruru Avau. À toi, Hinarere Taputu, et merci encore à la chorale. Maruru. Maruru Avau. Maruru Avau. Maruru Avau. Tato
imine vaho imaruru ava. Aweti mawi wirahi itoriva na anatiara. Aweti aruha ito umahoa ita uihere ita nuatuai te mahana eho imaiava irirato ehimene va. Bonne journée. Oui, nous, on va prendre une photo. Merci à la chorale. Et j'ai le plaisir de vous dire que la chorale a décidé de ne pas se dissoudre et de continuer. Voilà. Merci à tous. Monsieur le haut-commissaire, merci. Monsieur le président de la Polynésie française, merci. Vous êtes invité avec le président de l'Assemblée et tous nos invités, si vous le voulez bien, à aller inaugurer l'exposition dans le hall et le parcours dans le jardin et de partager le verre de l'amitié sous le phare époté ensuite. Merci.